débarqué et dans l'inauguration qui fait, bonjour Milan, dans un bâtiment que Pasteur Grégory réalisé, que il dit qu'il vaut 60 millions de dollars. Et si on a regardé sur les réseaux sociaux, il y a un peu l'agitation que réalisation ça a posé. Il y a un peu le monde qui dit que il était qu'à faire, monsieur était qu'à construire l'autre bagage, il était qu'à cesser, il était qu'à cesser. Tout d'abord, on m'a dit que, en tant qu'un homme de Dieu, Pasteur Grégory, il fait ça le gain pour le faire par rapport avec mission et l'option que nous recevons. So, si c'est un homme de Dieu, c'est normal pour l'investir dans le bagage qui concerne l'évangile, c'est-à-dire pour l'investir dans ça qui a un rapport avec l'Église. Et maintenant, pour ceux qui ont trait avec l'action sociale, l'Église a toujours des actions sociales déposées. Qui a construit l'école, qui a construit le bagage, qui a créé l'emploi, qui a créé quelque chose à faire. Maintenant, ça c'est la dimension sociale de l'évangile. L'évangile Jésus, tu connais, on mange pain à poisson, tu connais tout le bazar. Maintenant, ce qui est important, c'est que la réalisation, c'est un bagage qui est louable, il est belle, il est placé. On est capable de dire, ok, une telle belle réalisation, il est bien. Bâtiment belle, il ferait, ouais, c'est un bel bagage dans la communauté. Maintenant, ça c'est la première lecture qu'on est capable de faire en surface. Mais pour les gens qui ont un minimum de lucidité spirituelle, il ne faut pas arrêter avec ça, mon ouais, d'abord, ça, mon abdi, avec sa frappe les yeux, au prime abord. Il faut nous comprendre bien ce dont il est question. Je mets ton texte, je mets ton poste, quand il me dit que l'ignorance de ce peuple est si profonde que Dieu lui a donné un miracle. Il dit que le peuple a un miracle que Pasteur Grégory, en quelque sorte, incarné, à travers le bâtiment. Ça. Il y a deux constats que ma père va aller plus loin. Ça m'a dit là. Nous arrivons à un niveau tellement bas, tellement rase, tellement absence de culture, de connaissances, absence de carence en matière d'éducation, carence en matière de compréhension, absence de jugement, de discernement, de lucidité, de clairvoyance. Nous arrivons tellement bas que n'importe petit bagage, en quelque sorte, ébranle nous. Et il vient empêcher nous, en quelque sorte, réfléchir et profond, de façon profonde. Et le pire, c'est que le fanatisme est aveugle. Vient intégrer dans l'église, dans l'évangile, qui vient faire que nous venons tourner des. Nous venons plus mal, en quelque sorte. Ça, c'est que cela se comprend. Parce que le fanatisme a toujours existé, il a existé entre Apollon avec Paul. Et nous te voyons comment Paul t'a réprimandé le fanatisme est dans l'église. Maintenant, si nous regardons bien, dans Matthieu 24, t'es gombaré comme ça, t'es fait. Les disciples de Jésus, ils sont arrivés dans un moment. Il a passé bon temps de Jérusalem. Et puis, il a besoin d'attirer l'attention de Jésus sur cette réalisation qui était en quelque sorte symbolisée la fierté de la nation juive. Et ce symbolisme était tellement fort pour le peuple juif que même les a prié, ils ont en exil, ils ont tourné face vers l'est à Jérusalem, là où se situe le temple. Et voilà que disciple a dit Jésus, dans Matthieu, quelle belle réalisation. Je dis, maître, regarde un bel building, regarde une belle réalisation, regarde un bel bagage qui fait, regarde une belle construction. Ils sont fiers de construction ça. Ils sont fiers de réalisation ça. C'est fierté dans le temple. Et puis, Jésus parle de réponse. Réponse Jésus parle de la journée aujourd'hui. Si vous avez une réponse ça, si Jésus t'a réponse ça dans la journée aujourd'hui, il a dit Jésus c'est un aigri. Si nous remarquons, c'est le même comportement des disciples que nous avons sur les réseaux sociaux. Si nous regardons pour un peu le monde qui dit, oh oui, bâtiment ça lui fait fierté haïtienne, fierté nation haïtienne dans la communauté, États-Unis, oui, bâtiment, parce que Grégory a ses fierté haïtienne, c'est une grande réalisation. Maintenant, il y a 20 nids comme fierté nationale, fierté, ceci, cela. Et c'était en quelque sorte le comportement des disciples de Jésus qui t'a dit, maître, regarde une belle réalisation, regarde les bagages construits, c'est un chef-d'œuvre, c'est un œuvre d'art, regarde les bagages, ceci, cela. Mais à leur grand étonnement, Jésus va le surprendre. Et la déclaration de Jésus, les va le surprendre, il va attirer l'attention sur un bagage qui est fort, fondamental. Il faut une lucidité spirituelle pour comprendre. Parce que c'est un maître qui a une réponse. C'est un maître. Qu'a une réponse à une foule, à un dal disciple qui pas comprendre dynamique là, de ce qu'il en est. Jésus va le calmer enthousiasme. Jésus va le dire, écoutez, ce que vous voyez là, je vous le dis en vérité, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. Maintenant, imaginons que un dal disciple a attiré l'attention, mettre la sous, une belle réalisation de. Il y a une réalisation de cette envergure, et puis il y a des réponses, mettre la veille. Je n'ai jamais dit, tout le monde a dit, Jésus, c'est un aigri, c'est un frustré.
Qui était Jésus qui fait remarque ça sur réalisation ça pendant le peuple a dit oh regardez bel bâtiment éléments construits pasteur Grégory bâti bagaille c'est fierté nous et puis Jésus t'a parlé Jésus dit ah je vous le dis en vérité il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversé. Après mon fanatique t'a couru dit Jésus c'est un nègre même mon aujourd'hui a cap dit Jésus c'est pour Jésus au bâti temple c'est non Jésus Jésus est grand Jésus est boubou Jésus est ceci même mon ça yo en quelque sorte si on pas comme si c'est Jésus qui dit il t'a prélé Jésus aigri. Il t'a dit Jésus c'est un aigri. Oh, comment on fait dire un bagage comme ça? Ça c'est pas le monde qui est aigri. Ça c'est pas le monde qui est frustré. C'est ça qu'il faut nous faire très attention avec question fanatisme, avec question popularité. Parce que c'est toujours, le fanatisme c'est toujours pour les bâtards. Le fanatisme c'est toujours pour les illettrés, les cancres, les couillons, les masses. Le fanatisme c'est toujours l'affaire des petits esprits. Parce qu'ils ont aveuglé. Pas qu'il y a l'autre exit, il y a rien que dans le refugié que dans le fanatisme. Il y a suivre courant, il y a applaudi sans comprendre, il y a les vivre sans comprendre ce qui ça, après les vivre. C'est l'ignorance pure qui est incarnée à travers ce genre de démarche. Maintenant, il a dit Jésus, ah, écoutez, vous êtes un aigri. Il y a une belle réalisation comme ça. Pour quelle raison pas applaudir? Pour quelle raison pas dire oui, c'est une belle bagaille? Pour quelle raison pas ouais? Et il y a une bagaille qui coûtait 60 millions de dollars, son chef-d'œuvre, son travail extraordinaire. Voilà que Jésus décevait, nest Jésus décevait, disciple, il dit, ah, au lieu Jésus t'a dit, ah, c'est une belle réalisation, regarde. Je suis bien content, son belle bagaille, son bel travail, son bel temps, son bagaille, Pierre, il est bien monté. Jésus n'a pas fait aucun cas de ça. Jésus n'a pas même fait aucun cas de ça. Jésus dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversé. Jésus a voulu attirer attention son point fondamental. Il faut une lucidité spirituelle pour comprendre. Ça a le besoin d'attirer attention. Non seulement dans une dimension prophétique. En l'an 70, général Titus, l'armée roumaine va l'entrée à Jérusalem. Il va écraser le temple, non? Qui était qui symbolisait fierté nationale juif là. Et Jésus était anticipé. Mais bon, le bagage est plus profond que Jésus a besoin d'attirer attention. En plus, dimension spirituelle dossier. Dimension spirituelle, ouais, dimension géopolitique là. Les Jésus va dire, ah oui, il y a un pile qui a d'un homme, donc ok, et Jésus va parler de guerre, de bruit de guerre, il va parler du tremblement du cœur. Maintenant, il connaît ça, je veux dire là. C'est-à-dire que, en d'autres termes, dynamique géopolitiquement, c'est lui qui va décider, en quelque sorte, de sortir Gotham Sana pour tirer fierté noire de lien. Dynamique géopolitique. C'est-à-dire que, l'on va avoir lucidité, on va avoir compréhension, on va maîtriser les événements mondiaux, on va avoir un cadre référentiel qui vous comprendre, qui vous permet de comprendre le cheminement, avec dynamique monde, comment il y a, question guerre, comment il y a. C'est normal pour épater, pour éblouir d'une réalisation qui fait. Maintenant, Jésus pourrait parler de guerre, de bruit de guerre, et nous pourrait voir en quelque sorte comment, en l'an 70, 40 ans plus tard, en l'an 70, soit 40 ans plus tard, après que Jésus fait une déclaration, ça, 40 ans, temple écrasé. Maintenant, portée spirituelle déclaration, hein, Jésus a fondamental. C'est que, Jésus a montré un bagaille, il dit, Jésus veut faire, n'est-ce que comprendre. Le temps pour la construction des temples est révolu. Écoutez bien. Le temps pour la construction des temples, des édifices matériels est révolu. Faites attention. Il dit ça pour mettre l'accent sur le fait que c'est le moment de bâtir des églises. C'est l'avènement des églises. C'est l'avènement de l'église. Maintenant, tu sors, il dit voilà. Mets l'accent dans le média. Il dit ce qui est important, c'est l'église. C'est pas le bâtiment, c'est pas le temple. L'église, c'est ça Jésus bâtit. Il y a une dimension spirituelle là-dedans. Ou capable de tout gros bâtiment qui est gagné, mais on va gagner l'église. Et c'est le cas de l'église catholique romaine. Il y a tout gros bâtiment qui gagne dans le monde, là, qui symbolise le pouvoir de l'église romaine. Gros bâtiment, gros chapelle, gros ceci, gros cela. Mais il y a tout gros cathédrale qui est gagné. Mais la problématique est relative à l'église. Et c'est tout problème dans ça. Tout problème, non, c'est que, qui différence qu'il y a un temple matériel, édifice, bâtiment, et l'église? Jésus voulait attirer attention, disciples, sur le fait que, désormais, il n'est pas question de temple. Il n'est pas question de bâtiment qui bâtit sur, à base de poussière et de sable. Mais il est question de l'église qui bâtit sur le Christ. L'église spirituelle. Maintenant, qu'est-ce que l'église spirituelle? L'église, c'est nous-mêmes. C'est l'homme. Maintenant, déplacement, ça qui fait là, il est très important. Il est très très important. Et le bon porté spirituel pour tout le monde qui veut comprendre. Si nous remarquons bien, Jésus a pointé un enjeu crucial. Fondamental. Et enjeu crucial, ça c'est que Jésus arrive et il dit, faites attention. Dans le même texte, non? Il dit, faites attention, car plusieurs viendront en mon nom. Ils feront des prodiges. Mais faites attention pour ne pas séduire. Dans le même Matthieu chapitre 24 là, l'elfine dit que l'il pas prêté pierre sur pierre qu'après le verset. Il dit, faites attention. Maintenant, soit regardez bien, on va dire, mais qui rapport ça a gagné avec le fait que,
ou fin dit Pierre sur Pierre après verser et vous dit peuple ou dit disciple vous faites attention et vous dit plusieurs viendront en mon nom si là ou pas comme si normal je suis regarder bien on pas aucun rapport et pourtant un rapport fondamental. Il y a un rapport fondamental parce que c'est l'orientation de l'esprit. Il y a un pile nèg qui vient dans nom Jésus pour venir réaliser des biens matériels sous prétexte que c'est Jésus qui permet de réaliser. Écoutez bien ce dont il est question. Et c'est exactement l'enjeu. Parce que, si nous comprenons bien, postulat de départ là, Jésus dit pas bon pierre sous pierre qu'après qui. Effectivement, le temple est bâti avec pierre, il bâti avec roche, il bâti avec sable. Maintenant, c'est l'élément matériel. C'est l'élément, c'est la matière. Maintenant, Jésus dit, les fins disent, la crasé, tellement la crasé, Jésus dit, gagné qu'a vini, faites attention, gagné qu'a vini sous nom, ok? Il a dit, c'est moi qui Christ, non? Faites attention avec, pour que raison Jésus va avec ça. Parce que, en réalité, c'est pour attirer attention, nous, que, gen moun kap bin sous non, pour bâtir, matériel, pour servir de la matière, du sable et de la poussière, pour construire, royaume Christ sous matière. Yo kap bin sous non Christ, mais l'orientation de l'esprit, c'est vers la matière. C'est-à-dire que, yo pral vin sous non Jésus Christ, mais toute réalisation que yo pral concrétiser, c'est à partir de la matière. Il va tirer gloire, il va tirer fierté. Mais c'est toujours au nom de Jésus. Et c'est tout, c'est toute problématique ça Jésus a averti disciples. Les gens étaient anticipés. Des nèg qui pral battre pour matérialiser. C'est-à-dire pour matérialiser le salut de Jésus-Christ. Et c'est tout le problème d'aujourd'hui. La fierté des chrétiens des chrétiens aujourd'hui, ils trouvent dans un bâtiment. Ils trouvent dans un édifice qui bâtit avec sable, avec pierre, avec wash. OK? Et l'on bâtit, l'on tire fierté sous des pierres, sous des bâtiments qui bâtit, des réalisations que ça bâtit, que wash bâtit, que poussière bâtit. C'est que ou gon carence en matière de lucidité spirituelle. Ou par un, ou compte que il n'est plus question de bâtiment. Il n'est plus question de temple matériel, mais il est question du royaume des cieux, il est question de l'église spirituelle. L'église de Jésus-Christ. Et, pi gros bagay, où t'es capable de jouir, fier de lui. C'est pas un bâtiment. D'ailleurs, la tour de Babel, t'es yon nan pi gros réalisation, que bon Dieu va le lever contre lui. Ou pas le poser cette question, que temple, peuple Israël l'a construit. Bon Dieu quitte ou détruit pendant deux fois. Il reconstruit. Bon Dieu quitte ou détruit encore. Bon Dieu a voulu attirer l'attention sur le fait que, c'est pas dans bagay ça où m'habiter. Nous prenons fierté, nous la donne. Et c'est pas là-dedans, yo, qui m'habite. Je veux habiter dans le cœur de l'homme. Je veux habiter dans mon église. Dans le temple qui est le corps de l'homme. Et tout l'évangile Christ, non, c'est la restauration du corps. C'est la restauration de l'âme. C'est la restauration de l'esprit humain. C'est l'homme que Jésus est venu sauver. Et tout problème qui est là, je dis là, c'est que, les bâtiments construits de telle envergure, où tire fierté, yo, de lit, de poussière, de sable. C'est qu'on a un gros problème de lucidité spirituelle qui est posé. Gros problème. Et c'est ça que Jésus, parole de Dieu, dit mon peuple périt faute de connaissance. Et dans le texte là encore plus bas, dans Matthieu 24 là, Jésus va dire, c'est pas encore la fin. Quand vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, ou entendez parler de tremblement de terre. Pour quelle raison Jésus dit tremblement de terre, bruit de guerre? C'est une façon pour dire que, quelle que soit réalisation que tu as fait dans le monde, là, quelle que soit la réalisation, l'édifice que tu es capable de glorifier, tête ou accomplissement qui fait sur le monde à base de matière, de sable, de roche, de pierre, de poussière. Jésus a voulu attirer attention pour dire que les événements mondiaux et les signes de mon avènement, ils sont tels que vous reconnaître à travers le tremblement de terre. Tremblement de terre qui a vidé un édifice à terre. Mais tremblement de terre qui a vidé foi chrétienne à terre. Il y a un tremblement de terre capable de vider une cathédrale à terre. Mais tremblement de terre pas capable vider l'église Christ à terre. Il y a un tremblement de terre capable de vider gros bâtiment nous à terre. Mais il y a un tremblement de terre pas capable vider l'église Christ à terre. Parce que l'église Christ est l'éternel en Christ. Et vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y a une nation à pleurer contre une nation. La guerre, qu'à cause, il y a un gros bâtiment, il y a un gros édifice côté mettre fier tout là-dedans.
disparaît. La guerre qui cause un gros bâtiment, un gros édifice côté perdit temps, ramasser cob pour construire ou pour faire tout la donne, ou la donne, ou sentir fier, ou réaliser quelque chose aux yeux du monde, tout le monde a applaudi. Il suffit une guerre et puis disparaît dans une fraction de seconde. Jésus a voulu attirer l'attention des disciples sur le fait que glorifiez-nous plutôt de la croix. Tirez fierté nous plutôt de ce que nous avons accompli. Moi-même, l'église, pour nous. C'est la donne pour nous tirer gloire à nous. C'est la donne pour nous tirer fierté à nous. C'est la donne parce que je suis la pierre. Si vous pas bâti maison, ça sous pierre là. Il a parlé de bête, maison spirituelle. Il n'a pas parlé de bâtiment. Il n'a pas parlé d'édifice. Il n'a pas parlé de bagaille que tremblement de terre qui a vidé à terre. Il n'a pas parlé de bagaille que la guerre qui a vidé à terre. Il a parlé de l'église spirituelle. Il a parlé du corps de Jésus-Christ. Il a parlé de l'amour, l'unité, fraternité, foi. Il a parlé de ça. Il a parlé de top ça de l'église là. Maintenant, l'enjeu est de taille. Maintenant, c'est normal pour jeune monde qui a besoin aigri. C'est normal pour jeune monde qui a besoin frustré. Mais c'est comme si nous bien. L'ignorance et manque de lucidité spirituelle, c'est pas qui dure en pile, surtout dans la communauté haïtienne. Ils font pile dégâts. Je vais nous quelques exemples pour nous comprendre bien. Le peuple Israël était toujours voulu construire un temple à Jérusalem. Parce que même Esdras, l'a pas reconstruit le temple, Néhémie à Esdras, c'est l'a sorti en Babylone. Il a reconstruit le temple à Jérusalem. Maintenant, comprenez bien ce dont il est question. Il n'a pas construit le temple en terre étrangère. Il n'a pas construit le temple en exil. Pas bon juif qui construit le temple dans la diaspora. Il a construit des synagogues. Il n'a pas construit le temple. Parce que le temple, c'est le symbole de la fierté nationale juive. Il n'a pas construit en terre étrangère. Parce que le temple est lié attaché avec une promesse que mon Dieu t'a fait. C'est-à-dire, lié attaché à une promesse que mon Dieu t'a fait. Qui c'est la terre promise. Qui c'est Canaan. Et comme ça, à chaque fois que vous violez l'alliance de mon Dieu, vous avez quitté l'autre peuple, nation, envahi, et parfois vous détruit le temple. C'est pour rappeler yo, de promesses, de commandements, mon Dieu, et de temple. Et à chaque fois, temple, yo libéré, yo sorti en exil, yo reconstruit, yo rebâti temple, comme symbole de fierté et de la présence de Dieu dans le milieu, dans le peuple. Maintenant, l'on n'a pas de lucidité spirituelle. Lorsqu'un peuple qui est ignorant, ou construit un bâtiment, en terre étrangère, pardon, en exil, pardon, en diaspora, et vous dites, c'est la fierté de la communauté, haïtienne, ou dit c'est la fierté de la nation haïtienne. C'est l'imbé, regardez, c'est l'inertie et l'absurdité le plus, regardez, on a qui point que m'ta capable manier bagage. Tellement l'ignorance dans profonde. Yon bâtiment, yon édifice qui coûtait 60 millions de dollars, nous construit en exil sur nos terres étrangères. Nous une fierté là-dedans. C'est l'absurdité pure. C'est-à-dire que nous pas conscients. Nation sont tellement ignorants, nous pas conscients que nous en exil. Nous pas conscients que nous forcés quitter pour territoire nous. Nous pas conscients que nous. Le symbolisme est fort. Le symbolisme est tellement fort. L'incarné même, l'ignorance peut ça. Nous sommes terre étrangère. Nous construisons un bâtiment, un édifice de 60 millions de dollars. Et puis, les ignorants disent c'est fierté nationale. Moi, j'en peux, ignorant. Les peuples, les Américains construisent gros ambassade de construire en Haïti. Hein. Le symbolisme qui est construction ambassade, ça, c'est le symbole de puissance. C'est le symbole de colonisation. C'est le symbole de la supériorité de l'impérialisme américain. L'ambassade, gros ambassade nouvelle construite, dit symboliser la puissance, la domination et l'impérialisme américain. Mais où est port là? Où est bâtiment sont construits là? Pour 60 millions de dollars. En terre étrangère. Vous pouvez ça symboliser? Quand on profite à terre haïtienne, vous pouvez ça symboliser? Il symbolise l'exil. Il symbolise l'ignorance.
Il symbolise l'absence de patriotisme, l'amour du terroir. C'est ça, il symbolisait. Et le pire, c'est que même blanc a pris de haut. Et nous connaissons, c'est pas faute, non. C'est pas faute, non. Il a fait nous quitter le pays, non. Nous avons tout réagi. Et on courage nous construire gros bâtiments, gros édifices, en terre étrangère, pour nous venir réfugier. En fuyant pour le pays. C'est plus mauvais forme d'abomination qui les a gagné. On va parler pour tout le monde. On va parler pour tout le monde. On va parler avec le monde qui ont un minimum de compréhension. Qui fierté pour gagner dans un bâtiment de 60 millions de dollars en terre étrangère. Le connaît. C'est grand goût, c'est misère, c'est gang, c'est insécurité, c'est outragé, c'est l'exploitation qui met au dehors. Ça nous pousse à réfléchir en pile. Qu'est-ce que ça voulait symboliser? Les regardez-nous avec fierté. Le peuple américain a regardé nous avec fierté. La fierté, c'est pour le peuple américain, pas pour nous. Parce que c'est un peuple, regardez-nous comme un peuple qui conquérir, un peuple qui vaincu. Un peuple qui perdu. Et c'est le symbole de l'assimilation. L'édifice est le symbole de l'assimilation. L'édifice est le symbole de l'intégration. Nous sommes peuple qui ignorant. Et c'est ça qui cause la péri. Notre propre ignorance. Bagaille pour nous t'a crié. Nous tirer fierté là-dedans. Bagaille qui t'a porté nous. Nos réflexions profondes. Nous tirer fierté là-dedans. Nous sommes peuple qui est dangereux. Nous dangereux. Pays où a détruit. Et où a bâti édifice. 60 millions de dollars sous terre étrangère. Gang envahit pays où. Ou a bâti édifice sur terre étrangère. C'est grave. C'est grave. Instabilité politique. C'est grave. Assassinat du président. Le président. C'est grave. Gang. C'est grave. On bâtit sur le territoire étranger. Je vais vous donner une anecdote pour terminer. C'était le même comportement que Tinek haïtien te gagne en République dominicaine. Crasé le pays. Hein? Et puis il a le construit en République dominicaine. Crasé, brisé, il n'y a pas fait cas de pays, yo, et puis il a bâti en République dominicaine. Crasé pays, et puis il a investi en République dominicaine. Et puis un bon matin, le président de la République dominicaine, Abinader, levé contre lui. Il dit non, il couille d'ailleurs. Maintenant, vous entendez un peu le bruit, oh oui, mon qui t'a investi, qui t'a acheté, c'est là, vous savez, son petit communauté ignorant. Il est très si normal. Nous sommes enragés. Parce que pas de gain. Lucidité. Et puis, j'entendais à la tour. Et. Nous sommes enragés. Il y aura la République Dominicaine. Il y aura le président. Parce que le météo dit. Vous voyez, maintenant. On dit un scénario similaire. T'as passé aux États-Unis. On dit un scénario similaire. T'es arrivé aux États-Unis. Côté un bonjour, un président américain, t'as décidé, foutre tout haïtien d'ailleurs. T'as passé. N'a pas un gros édifice à la lavelle. Gros édifice qui fait fierté nationale. Non? Réalisation que n'a frappé l'estomac, nous, que nous réalisons dans la communauté. N'a pas un lavelle. Nous sommes un peuple qui est vraiment ignorant. Hein? Et ignorance nous est loin. Même célébrer, nous ne comment pas nous célébrer. Nous parlons qu'il est pour nous célébrer. Nous parlons qu'il est pour nous réjouir. Nous parlons qu'il est pour nous crier. Tellement ignorance en profond. La canne. Les pour nous crier. Nous célébrer. Les pour nous célébrer. Nous crier. Nous fonctionner à l'envers. Nous fonctionner à l'envers. Et c'est pas faute nous. Manque de lucidité. Comment? Pour son territoire étranger. On est territoire étranger. Pays où a effondré.
pays sous l'occupation. Force étrangère envahit pays. Premier ministre Peyou, après le driver devant la communauté internationale avec Bolli, pour demander 60 millions de dollars, il te promet. Écoutez bien. Dirigeant Peyou, Gary Conny, vient faire 8 jours aux États-Unis pour 60 millions de dollars. Al drivé. Il va chez Washington, il va chez New York, il va chez l'ONU, il va chez l'OEA, à drivé avec Bolli, dans mon cité, pour 60 millions de dollars. Force étrangère sous territoire. Kenya sous territoire. Et puis, au lieu que vous avez un moment de consternation, au lieu que vous avez un moment pour crier, ou célébrer un édifice qui coûtait 60 millions de dollars comme fierté nationale. Ou est-ce qu'il y a un niveau dangereux? Ou est-ce que nous rendons compte de quel niveau dangereux comme peuple, comme nation? Ignorance nous trop profond. Dans le moment ça, nous avons crié. Dans le moment ça, nous avons supposé en pleine méditation. Non. Nous, sur les réseaux sociaux, nous avons vu une réalisation comme fierté haïtienne. Ou à quel niveau nous ignorons? Non, est-ce que nous sommes à quel niveau nous dangereux? Pendant que la diaspora juive a mobilisé toute communauté internationale là pour défendre ce territoire, pour défendre Israël. Nous sommes une nation qui est dangereuse. Le premier ministre de la nation, on peut a marché dans toute communauté internationale, a drivé pour 40 millions de dollars. Rampé pour 40 millions de dollars. Et puis, le gros peuple, le gros morceau, le gros toutou, sur les réseaux sociaux, a célébré une réalisation de 60 millions de dollars qui fête en terre étrangère. Ouais, on peut à l'envers. Ouais, ou bien boutez pas ou bien caillou, ou bien madame ou bien petit. Et pour qu'on cob. Kaila a démembré. Kaila a fini, kaila a crasé. Sous madame ou bien petit. Et vous allez voisin. Derrière deux kaille voisin. Dans la cour voisin. Vous allez construire. Une cuisine. Pendant que kaille ou a campé, l'a effondré. Mirayo commence à tomber, toi a commencé à tomber, tout le bagage commence à tomber. Le pire, ou chita, ou content, pour ti caille ou gagne caille ou gagne des doukai voisins. Ti caille ou gagne des doukai voisins, ou content, ou bravo, ou fier. Et puis caille pour là. Avec madame ou, avec petit de côté de habité, il délivre, ou la pifondrie. La pire. Vous comptez ça fondi là-dedans? On a la péri, la crasé. Même voisin va constituer Kounouk, qui d'elle, de la Kalia. Même voisin ça, vini dans la cour, pendant qu'il a crasé, il construit un gros bâtiment. Il construit un gros bâtiment. Et puis il faut applaudir. Si Kounouk lui mette au deck, construit la Kaïwa, ou construit de la Kalia, l'écrasé Kaïwa. Il faut tout d'ailleurs dans la caille. Quel crasé, il y a une opportunité pour construire un petit coup derrière la caille. Écoutez bien. Il y a de crasé caille. Il crasé caille là. Il faut tout d'ailleurs là-dedans. Et puis bon, petit coup derrière la caille pour construire. Et puis lui-même, il vient. Il construit un gros ambassade, un gros bâtiment. La caille. Maintenant, il conquérit. Il fout tout d'ailleurs. Il dit bon, moi, je suis à dormir.
Et puis il faut battre bravo. La surdité, l'ignorance. Les conquérir. Les classer caillou. Les foutou de yo. Les ouvrir les têtes de la cali. Et puis l'entrée la caillou. Les fin classer, ils construisent un bâtiment. Et puis il faut battre bravo. Pour dire que nous, ils vont considérer la cali. Mes situations. C'est un plaisir pour me dire avec nous. Assez bonne soirée. Assez bonne journée. Son rapport dominant-dominé. Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui sont capables d'expliquer raison et rapport ça. Est-ce que nous sommes capables de redéfinir rapport ça? Maintenant, pour nous redéfinir rapport ça, rapport dominant-dominé ça avec l'Occident, dans notre pays tout, en quelque sorte, qui est victime avec, il faut que nous identifions un certain nombre d'éléments. Et éléments ça, pour nous identifier, nous demandons une bonne lecture de dynamique système mondial là, pour nous garder qui tendance là. Maintenant, le monde là, actuellement, il est dominé par des forces. Il est dominé par des forces, il est dominé par des courants idéologiques. Et en quelque sorte, et tout positionnement que Haïti t'apprend, c'est soit aligné avec tendance dominante, force dominante, même les Libanais avantage lui, ou bien il prend en posture, en quelque sorte, comme beaucoup d'autres pays, pour assurer une forme de résistance. Ceci étant dit, Mondelan est dominé, tout d'abord par une certaine vision néolibéraliste, qui incarne une forme de mondialisation globaliste et repartition qui est faite à travers le monde en une série de pays qui a fourni des ressources ou des matières premières sur le marché mondial. À ce titre-là, on a des instruments que l'Occident a utilisés pour le capable de maintenir et asseoir l'hégémonie dans le monde. Au niveau international, l'Occident a utilisé des organisations mondiales, internationales, telles que l'ONU, FMI, Banque mondiale, BID, ce sont des instruments en quelque sorte de domination de l'Occident, des instruments qui servent à renforcer l'impérialisme américain de l'Occident dans les affaires internes de certains pays, majoritairement des petits pays, tels que Haïti. Maintenant, contexte mondial, ça, en quelque sorte, il n'est pas aussi favorable pour Haïti. Il n'est pas favorable pour Haïti parce que depuis plus de 200 ans, nous sommes en forme de domination. Et domination ça l'est avéré et tous les faits, en quelque sorte, ils ont abondé dans le sens pour être capable de confirmer domination ça que nous avons subi de la part de l'Occident via un impérialisme néolibéral à travers les institutions internationales et plus particulièrement les États-Unis d'Amérique. La politique étrangère des États-Unis d'Amérique vis-à-vis d'Haïti était toujours inscrite dans la perspective à protéger, à défendre les intérêts américains. Et ceci au détriment des intérêts du peuple haïtien. Et ceci au détriment de notre souveraineté nationale, au détriment de l'intégrité de notre territoire et de nos ressources naturelles. Ceci étant dit, Haïti était un espace pour les États-Unis. Les libéraux besoin en quelque sorte d'approvisionner les en ressources et en matière, ou bien besoin de manipuler la scène internationale là, l'utiliser Haïti comme un pion, et puis, ou bien les besoin de collecter des fonds, les manipuler Haïti de façon telle, les générer des crises pour assurer une certaine instabilité, pour être capable de garantir présence li sur dans les Caraïbes là. Maintenant, ces éléments, en quelque sorte, les nous garder ou bien, nous vignons que l'important, si n'a pas les deux révolutions, pour nous bien clair, ce concept révolution. Raison qui fait que nous supposons bien clair, parce que les paramètres du concept là, faut nous définir paramètres conceptuels clairs, de façon à ce que pour pas gagner malentendu ce concept de révolution. Et c'est ça qui commençait en quelque sorte problématique pour plus d'un. Les nous parler de révolution, maintenant il a posé quelques questions de ce dont il est question. Maintenant parce que nous avons une définition classique de la révolution, et nous voyons comment mode de révolution qui existait, qui était passé dans le monde, nous voyons qui ça va. Maintenant, il y a plusieurs modèles de révolution nous capables d'analyser pour nous capables d'avoir une idée, en clair, de ce dont il est question. Première forme de révolution, nous sommes capables de parler de révolution de type qui pourrait accoucher avec une indépendance, par exemple, révolution haïtienne. Révolution haïtienne, c'est une révolution en quelque sorte violente, qui a accouché un nouvel État, mais ce n'est pas la force. L'usage de la force, le militarisme indigéniste a joué un rôle déterminant dans la révolution haïtienne, sur le plan politique, il a accouché ce qu'on appelle notre indépendance. Ok, maintenant, est-ce que la révolution a été exportée ou bien tenu compte de l'ordre mondial de l'époque là? Oui, il a tenu compte de lui, mais en quelque sorte, bon, c'est des facteurs que vous pas maîtriser qui causent révolution, c'est vrai, il a accouché indépendance nous, mais sur le plan révolution, pas capable de résultats concrets en termes de économique et politique et sociale. C'est ça fait pays, hein,
pour confronter depuis l'indépendance nous à une série de d'instabilité politique, turbulence politique, coup d'état et assassinat politique, violence politique pour venir tourner un mode d'expression en quelque sorte dans manière de nous faire politique en Haïti et puis nous pour en quelque sorte comment et violence politique ça yo, coup d'état, instabilité politique ça yo pour constituer un élément majeur dans affaiblir l'état, des institutions de l'état qui fait que l'état va perdre du moyen, va perdre des ressources, il va perdre capacité pour assurer en quelque sorte survie et protection territoire et fonction régalienne en pays. Maintenant ceci étant dit, et focus là, t'as supposé en quelque sorte orienté vers l'économie. Maintenant, ils ont l'économie dirigée, une économie côté qui est capable d'assurer le développement, qui permet en quelque sorte que le pays d'Haïti ait suffisamment de ressources économiques pour le faire face à un série de besoins, surtout en matière de taxation, imposition, pour être capable l'État de moyens pour le mener politique, et surtout politique galienne, en matière de sécurité et maintenir l'ordre public en dedans pays d'Haïti. Ceci étant dit, et dans toute démarche, nous voyons que le militarisme en dedans pays d'Haïti t'es venu jouer un rôle central dans la façon de nous faire politique jusqu'à l'avènement, l'arrivée bien entendu des Yankees en 1915 en dedans pays d'Haïti qui va réformater et militariser en dedans pays d'Haïti et réorienter dans la forme de gendarmerie côté pour mettre pays et l'armée d'Haïti les fonctions régaliennes. L'États-Unis pas venir avoir un agenda pour take over fonctions régaliennes de l'État. Maintenant nous connaissons bien depuis l'État pas assurer les fonctions régaliennes ni en quelque sorte l'État ça l'est affaibli et l'État ça non seulement il fait faillite mais l'État ça vient tout non véritable handicap en matière de déstabilisation de régionale et en matière de insécurité nationale. Maintenant il pas contesté par des groupes armés, il pas contesté par des crimes et organisés, il pas contesté par des crimes et des bandes criminelles, des gangs internationales, des groupes mafias qui pas fait d'appui sur l'État ça et empêcher l'État ça en quelque sorte arriver en remplir fonction qu'il a supposé remplir. Maintenant ceci étant dit, d'autres éléments qui parlent d'un rôle déterminant c'est le fait que vu que l'État haïtien de 1806 pour arriver journée aujourd'hui, il va une problématique par rapport à avec prise de position nous au niveau international qui fait que nous pas constituer une menace pour l'ordre capitaliste établi, nous pas trouver nous dans une situation côté nous pas des difficultés pour nous commercer avec les forces extérieures, c'est-à-dire les puissances extérieures de type capitaliste en Occident. Maintenant pour nous intégrer nous dans des massas, nous pas obliger en quelque sorte rater avec sa révolution industrielle. Nous pas rater et pas rater nous rater, yo interdit nous la révolution industrielle parce que yo connaît nous son l'État, yo calque nous de l'État belligérant, yo calque nous de l'État qui est de type en quelque sorte autocratique qui en quelque sorte qui a bouleversé le monde là si on ba nous les ressources nécessaires pour nous économique pour nous capable mener politique nous. Maintenant la logique consisterait à réduire l'État haïtien à sa plus simple expression et mettre nous en situation de dépendance vis-à-vis de l'Occident et cette situation de dépendance en quelque sorte pral traduit dans les faits par des interventions, par le fait que yo créer des crises humanitaires systématiques et engendrer en quelque sorte instabilité politique, corruption de façon telle à ce que nous toujours à solliciter l'international qui en quelque sorte sont forme déguisée de prolongement agenda l'Occident pour yo capable en dedans pays. Maintenant nous voyons que et l'État haïtien vient trouver dans situation côté que il pas capable remplir fonction parce que il dans situation de dépendance systématique de la part de l'Occident. Mangez nous sorti l'autre bord, yo craser production nationale nous, yo craser entreprise publique nous, entreprise et l'État yo à travers privatisation, yo vient avec des plans néolibéraux les plans néolibéraux tels que plan d'ajustement structurel côté nous pour privatiser l'État, yo craser l'armée, yo destituer l'armée de façon à yo démobiliser l'armée de façon à ce que pour nous pas remplir protéger territoire. Et yo banon ti la police qui faible, yo crase production nationale nous pour nous capable importer marchandises aux États-Unis avec République Dominicaine, yo mette nous dans situation culturelle de dépendance côté que l'ensemble de la musique toute bagaille d'après voir c'est l'Occident, c'est États-Unis qui a influencé nous culturellement au niveau langue, c'est l'Europe et c'est la France au niveau de manger, de façon d'opérer, de habiller tout bagaille, c'est l'Occident qui définit pour nous les paramètres en matière culturelle. Ceci étant dit, et au niveau social, nous subit forme de domination ça. Maintenant, l'on regarde ça comme ça ou dit mais ce dont il est question, qui ça pays ça besoin pour être capable de sortir là-dedans. De 1806 à nos jours. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il faut envisager une autre manière de faire la politique. Il faut nous renverser ce système-là. Il faut nous chavirer ce système-là. Maintenant, est-ce que c'est un bagage qui est facile? Il n'est pas aussi évident, parce qu'il faut nous tenir compte des paramètres internationaux, des enjeux géopolitiques et stratégiques. Maintenant, il faut comprendre qu'au niveau international, au niveau géopolitique et stratégique, il y a des acteurs qui ont dynamique, qui ont chiffre et de pouvoir qu'a fait au niveau international, gagnon groupe n'est qu'à plaider pour un monde multipolaire, et nous parlons que l'hégémonie américaine, en termes de leadership unique, l'y contester au niveau international, les instruments de domination internationale du leadership américain, y'ont remetté en question tout tel que, par exemple, l'OTAN, tel que, d'autres organisations internationales. Ceci étant dit, nous voyons cette remise en question de l'hégémonie américaine au niveau international, l'y manifester à travers le comportement de certains pays qui parlent organiser tête autour de ce qu'on appelle BRICS. BRICS, en quelque sorte, c'est une façon pour y'ont résister à l'hégémonie américaine et pour y'ont voir à l'Occident, de façon générale, pour y'ont voir comment y'ont redéfini l'ordre mondial là et pour y'ont rendre beaucoup plus juste et équitable. Maintenant, si nous regardons dans la situation ça, nous parlons que est-ce que Haïti a un grand frère au niveau international? Parce que nous avons un système, pour nous réfléchir sur ça. Est-ce que nous avons un grand frère? Qui est-ce si nous tapons en position? Qui est-ce au niveau international nous sommes capables de compter sur lui comme un grand frère pour si que l'Occident a décidé de mettre pied sous coup révolution, pour si que l'Occident a décidé de frapper révolution? Maintenant, il faut comprendre que pour cela, nous sommes obligés de remonter dans l'histoire pour analyser une série de pays en quelque sorte
qui te fait révolution et révolution ça yo journée jodi a qui ça li bay en termes de résultats et qui comment communauté internationale là surtout l'Occident te réagit vis-à-vis de révolution ça yo. Nous gagne la révolution en quelque sorte cubaine qui journée jodi a noué qui fait plus de 60 ans en bas révolution ça avec révolution ça et qui subit comme sanction embargo. OK, nous gagnons la révolution iranienne aussi et avec Ayatollah qui lui-même en quelque sorte t'est fait aussi mais aussi nous ouais qui gagnait des sanctions qui pesaient sous dos révolution ça. Maintenant, si nous disons prendre révolution pour nous combattre les contradictions internes en dedans pays, c'est-à-dire accoucher l'autre ordre social en dedans pays d'Haïti, oui, il est important. Nous inscrit être dans dynamique ça, mais il faut considérer les grands enjeux internationaux, les intérêts des acteurs internationaux en matière de libre échange, en matière de domination idéologique, en matière de présence dans les et leurs intérêts en dedans pays d'Haïti. Et si ou dit faire révolution, ou pas prêter attention avec ces paramètres, ou déjà abouti à un échec. Pas gémenti là-dedans, sinon c'est un fou la li. Maintenant, quelle alternative sur le plan interne? Sur le plan interne en matière de révolution, ou il doit dire OK, n'a pas adopté une révolution à la cubaine. Ou bien n'a pas adopté une révolution à la iranienne. Ou bien nous dit bon, n'a pas adopté une révolution beaucoup plus moderne et une révolution réformiste, populiste à la Mali, j'ai appelé et dans l'Afrique subsaharienne. Maintenant, Afrique de l'Est. Maintenant, est-ce que nous avons les moyens militaires pour nous faire ça? Ça c'est une question et il faut nous considérer. Paramètres ça très important. Pour nous considérer, parce que enjeu au détail. Maintenant, ceci étant dit, qui alternative nous gagne? Alternative qui gagne, c'est que nous sommes capables de dire, oh, et c'est élection. Nous sommes obligés d'aller par voie démocratique. Voie démocratique, c'est que nous avons un programme, gagnons un programme politique, ok? C'est-à-dire, de pour entrer dans un programme politique, pour entrer aller dans voie démocratique, dynamique radicale là, il peut passer par réforme. Maintenant, vous participez, vous venez à un discours révolutionnaire populiste, côté peuple là, vine bas aux légitimité populaire à la base pour capable diriger. Et si nous remarquons dans l'histoire du pays d'Haïti, Duvalier était joint qui fait devenir une dictature. Aristide était joint légitimité populaire là. OK, en forme de populiste à travers le discours ça et Jovenel Moïse était joint tout. Maintenant ce qui est important, n'a regardé bien qui ça te passé. Duvalier réussit. OK, surtout avec mouvement noiriste, idéologie noiriste, non? Un populiste noiriste arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir, il installé une dictature. Maintenant dans le contexte de Duvalier, le contexte géopolitique il était favorable pour Duvalier. Il était favorable pour Duvalier dans le sens que nous étions dans le contexte de la guerre froide, 1957. 1957, nous en plein début, guerre froide là. Maintenant, les Duvalier montent au pouvoir avec un discours populiste, noiriste. Ok, il prend pouvoir là. Ok, maintenant le problème qui se pose, c'est que, arrivé au timon des affaires de l'État, Duvalier pourrait utiliser des stratégies pour asseoir une dictature. Mais le contexte international était favorable pour lui. C'est-à-dire l'Occident, en quelque sorte, pas qu'à courir pour te bourrer sous lui, à cause de Cuba, qui te gagne un comportement pro-soviétique, et nous voyons que Haïti n'a position stratégique l'idée, Duvalier pourra jouer sous ça pour le maintenir technique au pouvoir. Et c'est ça qu'on va expliquer, installation, dictature Duvalier au pouvoir. C'est-à-dire, les forces extérieures, en quelque sorte, l'Occident, étaient favorables, ok, avec Duvalier, qui fait que Duvalier pral gagne l'attitude pour être capable d'instaurer dictature l'IA et mener des politiques drastiques en dedans pays d'Haïti. Et c'est ça qui expliquait, en quelque sorte, en 1986, qui prend le contexte international a commencé à changer, l'Union soviétique commence à affaiblir, et bien qu'on y a les États-Unis et l'Occident pas la nécessité pour qu'il y ait une dictature en dedans pays d'Haïti, ils vont commencer à entrer dans un processus de démocratisation qui va affecter le régime Duvalier, surtout avec Jean-Claude, et qui va puis nous va assister à l'effondrement du régime Duvalier. Mais pas oublier ce qui est important, ce que ça nous doit noter. La prise du pouvoir, la conquête du pouvoir, l'était chita autour d'un discours populiste, noiriste, mais ils arrivaient au pouvoir pour consolider le pouvoir là, le contexte international était favorable pour eux. Maintenant, nous voyons au deuxième cas avec Aristide. Aristide parle de discours populiste aussi, ok, anti-élite. Maintenant, avec ce discours, Aristide va arriver au timon des affaires de l'État, par voie démocratique. Maintenant, en 91, Aristide arrive au pouvoir, élection faite 90, Aristide est monté au pouvoir en 91. Maintenant, le problème qui se pose, la conservation du pouvoir, la consolidation du pouvoir et l'exercice du pouvoir, États-Unis parlent en quelque sorte taper monsieur. L'Occident va le taper monsieur. Parce que le discours de conquête de pouvoir, ou pas qu'à diriger avec. Sous prend pouvoir avec un discours populiste, ou pas qu'à venir diriger et établir une dictature ou diriger. Maintenant, qui ça, Amérique va le faire? Amérique va utiliser Cidras pour bailler Aristide le coup d'État. Maintenant, il faut comprendre que coup d'État au bail Aristide en 1991, c'était pour en quelque sorte combattre velléité monsieur et contexte international là, t'es changé. Nous, 91, l'Union soviétique effondrée. Aristide montait à un discours populiste de gauche. Maintenant, il est arrivé au timon des affaires de l'État.
paramètres internationaux ont changé. Pas une guerre froide encore. Les États-Unis viennent paraître comme seule puissance mondiale. OK? Maintenant, les États-Unis décident de faire ça. Ils sont entrés par Aristide au coup d'État. Ils voient Aristide à l'étranger, venir aux États-Unis. Maintenant, ils réparent monsieur. Et puis, ils font monsieur signer une série de bagailles. OK? Et ça, monsieur signe, vient permettre à ce que vous facilitez le tout Aristide en dedans pays d'Haïti. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a un élément qui parle de problème, c'est que les monsieur a tourné. OK? Monsieur est tourné avec Blanc. Pas oublier Blanc comme comment l'opérer. Blanc crée crise. Il y a beaucoup d'État, il faut venir la Kaili, et puis il faut signer, et pour conformer, l'offre de conformer, il dit pas de problème, comme si c'était beaucoup d'État, mais non tout. Même l'armée, il était utilisé, parce que l'État major l'armée d'Haïti, c'était CIA, même l'armée, ça a été utilisé pour beaucoup d'État, c'est même l'armée, ça a entré encore, il vient battre, il fait humilier, et puis il fait Aristide démobiliser l'armée, ça. Maintenant, il faut comprendre que, depuis lors, en 1994, Aristide retournait, deuxième version, maintenant, le peuple a pas perdu espoir en Aristide. Maintenant, le peuple a toujours pensé, c'est toujours même Aristide qui l'a, écoutez, patati patata. Il a fallu, en quelque sorte, quelques années plus tard, pour nous rendre compte que Aristide changeait. Maintenant, en 2000, les 99, les Aristide retournaient au pouvoir, avec, après Préval, nous parlons que dans l'élection, ça, Aristide pas le gagne. Maintenant, le problème qui gagne, c'est qu'il n'y a pas l'armée, la police là, en place. Aristide, décontrôle la police là. Gang, t'es couvert parce que, pas garanti gang encore, l'armée écrasée. Gang t'es couvert, comment c'était couvert avec Aristide. Maintenant, nous allons assister à une situation côté que psychose et la peur pour intégrer dans le pays. Et seule résistance Aristide va joindre, c'est résistance société civile là, qui va le camper en face avec opposition que y aurait les convergences. Maintenant, nous allons voir que même chez Massa, situation ça va commencer expliquer et processus de négociation politique, processus de accord politique, qu'on y a négocié pour le bail coup d'État classique. Puisque l'armée n'est pas là pour le bail coup d'État, je ne sais qu'on habite le bail coup d'État. Maintenant, ils vont utiliser, ils ont l'autre moyen, pour être capable d'affaiblir l'État et empêcher, ils ont l'autre dictature populiste, chita sous pays. Et c'est ça, nous allons assister avec Aristide, côté que, tout d'abord, nous avons des convergences démocratiques, qui, en quelque sorte, va contester légitimité, pouvoir, la valasse là, et nous allons gagner, société civile, qui va rejoindre convergence démocratique, dans la bataille pour renverser, Aristide, et nous allons joindre, en quelque sorte, toute organisation de base pour le mobiliser, rejoindre à la communauté internationale, la France, qui va le camper face avec Aristide. Maintenant, pour me comprendre bien, Aristide va la tomber. Aristide va la tomber pour la simple bonne raison, la communauté internationale est en faveur Aristide, est en position Aristide. Maintenant, comment Aristide va le tomber? Aristide va le tomber, c'est parce que Aristide va venir avec question restitution de la dette de l'indépendance. Maintenant, les contradictions internes peuvent arriver à Aristide à terre. Aristide est à rouler dans le dialogue, dans l'accord, dans ceci, dans cela. Mais, l'Aristide manie un dossier. Restitution d'être indépendance, non, que Américain Bali, c'est parce que le contexte géopolitique, le contexte géopolitique et stratégique, n'est pas favorable pour Aristide. Bal nous sommes dit. En 80, États-Unis entrent en guerre, ok, avec l'Irak. Ok, ils entrent en guerre avec l'Irak. États-Unis a frappé, la France pas d'accord, parce que la France a gagné intérêt avec Kadhafi. Maintenant, là, la France a gagné intérêt avec Kadhafi, la France a utilisé tout moyen diplomatique pour bloquer guerre. Pour guerre pas faite. Gros diplomatie a fait au niveau de l'ONU pour empêcher que États-Unis envahissent l'Irak. Pas oublié, après 11 septembre, États-Unis frappé, terroristes frappé États-Unis. Maintenant, ils ont déclaré la guerre contre Bush déclaré la guerre contre l'axe du mal. Et puis, automatiquement, la France, qui a intérêt avec Kadhafi, en Irak, va utiliser tout outils, tout arsenal diplomatique, pour le barrer route avec les États-Unis d'Amérique pour ne pas envahir l'Irak. Maintenant, États-Unis, qui, ouais, la France constitue un épingle qui a permis de lui, dans l'objectif, eh bien, États-Unis utilisent Aristide. Ils utilisent Aristide comme opinion pour lever contre la France, avec question restitution d'être indépendant. Aristide pas le choix. Oui, Saddam, merci, Saddam Hussein. Aristide pas le choix. L'Aristide pas le choix. Aristide est monté en commission, ok, pour l'Allemagne comme indépendant avec la France. Qu'on y a la France, en quelque sorte, Jacques Chirac, avec de Villepin, vient trouver une situation difficile, parce que la France t'a fait face avec une crise budgétaire. Maintenant, ça la France fait. La France obligée de négocier avec les États-Unis. La France mandait tête Aristide. Les États-Unis disent pas bail Aristide. Il pas bail tête Aristide, parce que Aristide, en quelque sorte, c'est États-Unis qui d'elle, qui utilisait le compion contre la France. Maintenant, dans notre discussion, on voyage que Deville Pépal fait aux États-Unis. Et voyage ça, c'est là où on va discuter de Aristide. Et maintenant, voyage ça, Deville Pépal négocier départ Aristide. Et Deville Pépal, en quelque sorte, pral négocier pour ralentir sous question opposition à la guerre là, en Irak là. Et pour lui supporter États-Unis, moyennant et médicalement parlant, Bazayo pour guerre là, en Irak. Eh bien, c'est là où joignent les États-Unis à la France, je n'ai pas ça. Eh bien, les États-Unis liquidaient Aristide. Les États-Unis liquident Aristide. Aristide, il n'y a pas liquider Aristide, il n'y a pas mettre Aristide dehors directement. Maintenant, il faut faire, il faut monter, il y a 6 000 là. Eh bien, c'est comme ça, il y a un usage qui va le faire, il
Il va faire appel avec Guy. Et Guy lui-même, en quelque sorte, va mener bataille. Parce que tu as un antécédent entre Guy avec Aristide. Nous connaissons, ça t'est passé avec Guy, coup d'état raté. Et puis Guy t'a réfugié dans la République Dominicaine. Après ça, il va le remobiliser Guy encore. Pour Guy venir camper face avec Aristide. Et là, il faut comprendre l'enjeu dont il est question. Et à l'époque, la communauté internationale là, t'es vrai pour Aristide Ali. Surtout la France. Et c'est ça qu'on va expliquer en quelque sorte. Et dynamique pour bailler tendance à créer yon, en quelque sorte, ça aurait yon guerre civile. Et puis pour les États-Unis, pas le choix pour yon entrer pour Aristide pour éviter yon massacre à yon guerre civile en dedans pays d'Haïti. Et nous allons, bien entendu, c'est comme ça, scénario à le passé. États-Unis avec la France fait d'Ilio pour yon Aristide Ali. Maintenant, usage la fête, scénario a fait sur le terrain avec Guy Philippe et tentative de guerre civile, menace de guerre civile, États-Unis va entrer, libéral dans le palais national, libéral forcer Aristide quitter le pays pour Aristide aller en quelque sorte en exil. Et nous allons, il n'y a pas de pouvoir. Guy n'a pas de pouvoir. Il tient à ce que Guy retourne en quelque sorte aller pour la non-élection. Maintenant, il faut comprendre que dans coup ça, peut-être que Guy était immature politiquement. Et à ce titre-là, il va le mettre en place. Il y a un pouvoir. J'ai noté qu'on est là. Okay? Conseil des sages. Et puis, il va venir avec un premier ministre que la communauté internationale là pour accoucher, qui c'est la tortue. Et nous voir bien entendu, en 2004, comment, même Sénat, il n'a pas assisté aujourd'hui, il y a un conseil présidentiel, il y a un conseil des sages, avec un premier ministre international, qui va même bagaille là, et puis, pour gagner mission pour faire élection, renouvellement de personnel politique là, et puis, et créer, ça aurait les conditions de sécurité pour élection faite, et puis, s'entendre à la tout, boum, élection pas faite. Mais pas rien changé. Pas rien qui changé. Maintenant, il faut comprendre que dans la situation ça, on va venir assister au troisième cas. Troisième cas, c'est l'avènement de Jovenel. L'avènement de Jovenel, c'est que Jovenel va paraître lui-même. Toujours dans la même démarche populiste. Sorti dans Duvalier, tombé dans Aristide, première version, deuxième version, populiste. Troisième démarche là, c'est Jovenel. Les Jovenel vini lui-même avec un discours, ok, et bonhomme, ok. Jovenel vini, il a voté, il est monté au pouvoir. Mais là, Jovenel monte au pouvoir, Jovenel commence à être conscient que il va gagner pouvoir réellement. Il va gagner pouvoir, et pour cela, il y a des décisions, il y a des réformes, il y a des bagages, il va faire. Maintenant, il faut nous prêter attention. Là, monsieur rend compte qu'il va gagner pouvoir. Monsieur va essayer de faire toute tentative pour reconcentrer le pouvoir ou non. Parce que, à quoi ça sert pour monter, pour conquérir le pouvoir avec une légitimité populaire, avec ça, nous sommes capables de légitimité populaire, un discours populiste, mais l'arrivée dans l'État, on va gagner pouvoir réel. Maintenant, on va regarder où est-ce qu'on a l'agrément qui est en face. On va prendre décision pour contre. C'est Chita Yodou, Chita fait ça, fait ça, fait ça. Maintenant, Jovenel va le décider pour le prendre bagaille en main. Eh bien, mes chers amis, c'est dans le processus de consolidation du pouvoir, ça, que Jovenel va le faire en série de erreurs. Premier bagaille, il va faire erreur, c'est qu'il va monter à l'équipe. C'est un individu. Aristide lui-même, il est monté à l'équipe. Il est monté à partie lui, la valasse, qui fait que il va le consolider. Il va faire un titan sous pouvoir. Mais Jovenel, en quelque sorte, il va monter à l'équipe. Il est monté, en quelque sorte, sous bannière PHTK. Et PHTK, c'est allégeance lui avec Matéli. Jovenel, c'est quand on est qui était isolé dans le pouvoir, il va le quitter pouvoir pour lui remettre. Mais pour Jovenel lui-même, besoin fait par les résultats, l'ennemi vient dans tête l'état, conscient, il commence à se dire, ouais, on s'est dit, maintenant, il se dit, bon, il faut que paramètres aient changé. Maintenant, c'est à partir de là que malheureusement, Jovenel va entourer tête li avec un série de nègres avec doctorat qui va laguer la courir. Maintenant, nègre doctorat, ça y est, Jovenel te fait confiance en ville. Nègre t'a préclamé tête de Jovenel, je dis, et c'est ça que par le coup, Jovenel mourit. Parce que, en réalité, nègre doctorat, ça y est, yo fait théorie dans le livre, mais il va maîtriser les rouillages de l'état. Vous savez, des joueurs souterrains qui fort, qui comprennent l'état bien, et qui maîtrisent les mécanismes de l'état, eh bien, les amateurs, il n'y a pas de jeunes avec Jovenel, il y a même tout dans l'apprentissage. Eh bien, Jovenel n'y a pas le conseil de Jovenel, on sait des bagailles dans le livre, mais dans la pratique du pouvoir, bagaille complètement différent. Eh bien, c'est comme ça Jovenel pas le conseil des faux pas, qui prend la cause, Jovenel mourit, il a assassiné Jovenel. Maintenant, il a reproché Jovenel que, et dictature, c'est discours classique pour déstabiliser l'État, pouvoir. Mais le pire, c'est que pas de monde qui pensait que n'est pas privé dans la dimension assassinat. C'est vrai, nous, toutes démarche, c'est exil, Duvalier. Fils, exil, Jean-Claude, exil. Aristide, exil deux fois. Maintenant, nous t'a dit que Jovenel, en quelque sorte, c'est l'exil. Nous t'a pas l'exil. Mais maintenant, n'est-ce que je finis avec question populiste, ça. Et n'est-ce que vini, yo assassiné Jovenel même pour vous un message clair. Mais quel que soit n'est-ce qui ont tendance, prend pouvoir de façon populiste, avec un discours populiste, et vous arrivez au timon des affaires de l'État, pensant qu'on va consolider pouvoir à travers une démarche autocratique et dictatoriale, y a mangé ou, y a assassiné ou, mais qui sort, qui réservé pour. Eh bien, mes chers amis, dans le contexte, ça, les n'ont gardé bien. Après Jovenel, yo vinn ba nous même résultat, même modèle nous te gagné après Aristide en 2004. Ou gagné au conseil des sages qui lui même journée jodi a c'est conseil et présidentiel transition. Et puis ou gagné premier ministre qui était la tortue, quand yo gagné premier ministre qui sorti dans international la qui international l'a imposé, yo relé Garigoni. Même schéma avec même mission c'est sécurité,
OK, établir sécurité, créer conditions sécuritaires, faire élection et puis réforme constitutionnelle. Même pas dans la même agenda que qui t'a gagné, c'est même agenda ça, nous venons là journée aujourd'hui là avec un gouvernement de transition ça que nous assister là. Mais de qui ça nous tire comme conclusion nous-mêmes au niveau du Boussal. Au niveau du mouvement Boussal, nous tirons une conclusion. À partir des études que nous fait sur période ça, nous venons nous compte que deux extrêmes. Deux extrêmes en dedans pays d'Haïti qui a bataille pour prendre contrôle de l'État. Dans deux extrêmes, vous avez de côté le peuple, ça nous relève masse populaire. Masse populaire, c'est lui qui bat légitimité populaire. C'est des ventes pour aller, pour prendre élection, pour aller dans l'élection. Mais si l'on regarde bien, mes chers amis, masse populaire, ça, un, il y a un alphabet, il n'y a pas qu'on lit. Deux, il n'y a pas qu'on conscience politique. Et trois, il est vulnérable à cause de conditions socio-économiques. Ce qui fait que masse populaire, là, vient sujet à toute forme de manipulation. C'est-à-dire, c'est pas une masse qui est consciente, c'est pas une masse qui compte salver, c'est une masse, en quelque sorte, peuple que est capable de manipuler à n'importe quel moment. Yo fait avec Duvalier, yo fait avec Aristide, yo fait avec Jovenel, et journée aujourd'hui, là, même masse peuple ça, qui pas qu'on lit qui est analphabète, qui pas qu'on conscience historique, yo conscience politique, et qui pas, en quelque sorte, et qui vulnérable, même masse peuple ça, je dis là, c'est lui-même, yo pas le manipuler encore à travers les appareils idéologiques, pour yo capable d'utiliser à travers, yon similac de démocratie, ça va y aurait l'élection, yo pas le voter, vaille que vaille, pour faire tol avec slogan, et puis s'entendez à là, yo pas le voter, et puis yo pas le bailler en président. Maintenant, remarquez, ça, c'est légitimité populaire, de base, pour moun pouvoir. C'est ça l'Occident imposé. Voix démocratique, élection universelle, crédible, bagay bullshit. Maintenant, nèg yo comprenne gen nan, en quelque sorte, nèg yo créé gang yo même, pour gen contrôle territoire politique yo. C'est-à-dire, chaque gang yo, groupe gang yo, a protégé intérêt territorial, pour les élections, de quoi pour yo gen contrôle, en quelque sorte, ça y aurait les bureaux de vote yo, pour yo orienter vote yo, dans gens yo vle, pour faire des autres, ça oublie. Et raison d'être sécurité à là. Maintenant, c'est ça fait, en réalité, les pour président pour qu'on y a fait élection là en quelque sorte faut être garanti sécurité dans zone ça ou dans région métropolitaine non pour capable permettre à ce que nèg yo mette baisser les et déposer les armes remettre zam yo et puis qu'on y a pour permettre à ce que l'État à travers l'armée à travers la police reprend contrôle zone ça yo pour capable organiser élection et c'est ça que nous nous dit y a parlé de dialogue avec gang yo nous donné y a parlé de amnistie nous donné y a parlé de tout bagage yo le problème l'enjeu c'est un enjeu électoral lié et là dire que depuis pour gagner élection faut territoire yo en quelque sorte pour ta élection ça ta libre et crédible et intègre faut territoire yo en quelque sorte pas ta sous contrôle gang parce que gang yo gen met et met gang yo qui gagne gang yo zam yo gen ambition politique yo besoin vinn sénateur yo besoin vinn député et yo besoin vinn président so basically en quelque sorte la difficile pour et Gary Conny ta vinn mande gang yo en quelque sorte pour yo remettre zam gang yo ka déposer les armes mais si Gary Conny vinn dit la combattre insécurité c'est menti. Gary Conny pas qu'à combattre l'insécurité. Parce que les intérêts politiques, économiques, tellement enjeux là, il n'est pas possible pour ne pas déposer gang. Il y en a pas pour comprendre de gang. Gang, il y a deux axes. Il y a géré un territoire économique, il y a géré un territoire politique. Territoire économique, il y a deux dimensions là-dedans. Économie informelle, économie formelle. Il y a de grands entrepreneurs, entreprises dans le pays d'Haïti, en quelque sorte, c'est de gros hommes d'affaires, ils sont obligés de dire la gang. Pour gagner qu'à protéger business yo et protéger territoire de façon à ce que l'autre monde pas vienne investir dans territoire. Ça veut dire nèg la gagne contrôle territoire ça. Territoire ça c'est market lié, c'est lui même qui gagne business dans zone ça, pas qui il pas quitter concurrent, vienne entrer dans zone ça, lui payer gang pour fusion, lui payer gang pour bulle business ou parce que c'est celle lui même en quelque sorte qui pour gagne contrôle, qui pour faire business dans zone ça. Ça c'est intérêt économique formel. OK? Ou gagne intérêt économique informel. Informel c'est le sens que gagne des territoires que gang yo contrôler, c'est pour yo passer drogue avec fait trafic moun. Droit dans le sens que gagne des conteneurs droit qui passer faut nèg gang yo en quelque sorte gagne contrôle territoire ça pour empêcher la police ou bien l'état passer avec gang yo avec drogue là c'est pour empêcher l'état avec la police bloquer drogue là pour pas passer et bien drogue yo passer easy à cause de contrôle gang nèg yo gagne c'est-à-dire les grands sénateurs grands députés c'est des nèg qui dans trafic drogue automatiquement yo utiliser gang yo pour capable faciliter et trafic drogue là comment drogue là circuler dans espace de tel de point A à point B ça fait partie de économie informelle là ça les crimes et transnational organisé maintenant. Intérêt politique, non, c'est ça nous dit tout à l'heure. C'est question élection. Nèg la dans territoire ça, c'est lui pour élu, c'est lui besoin député sénateur, yo met tête ensemble, yo gen contrôle gang za yo. Eh bien, parti politique qui parle lui, yo depuis yo quadrillé et zone na gang, eh bien gang za yo gen contrôle bureau de vote yo, eh bien automatiquement peuple a vraiment pas le voter à cause de gang yo qui a bay pression, eh bien nèg yo tout rempli bureau de vote yo avec une série de bulletins qui déjà gen vote la donne et puis s'entendez à là autant des sénateurs ça élu, député ça élu dans telle circonscription parce que nèg yo gen contrôle gang yo qui prend contrôle bureau de vote yo et puis yo décidé de outcome élection. Maintenant, dans deux dimensions, comment Gary Conny va faire adresser ce problème-là? Gary Conny a parlé de remettre les armes. Ce n'est pas aussi facile. Négo a dialogue, oui, dialogue pour qui ça? Pour déposer les armes? Négo va déposer les armes, facile pour ça. Parce que si on dit négo déposer les armes,
Maintenant, ça peut passer l'État, à travers la police, à travers l'armée, à travers l'élection, on va contrôler le territoire, ça y est. Maintenant, élection, on va le faire de façon légitime, bien bonjour. Maintenant, qui sont va le faire avec policiers, ça y est. Qui sont va le faire avec gang, ça y est. Faut gang, ça y est. T'as une commission qui vous dit comment vous faites une zame, c'est si c'est là qui est-ce qui te bat aux armes, pour qui entrepreneur, vous avez travail, pour qui businessman, vous avez travail, pour qui politicien, vous avez travail, et puis qu'on y a là pour déraciner question insécurité en dedans. Mais si on regarde bien démarche, là, c'est pas une démarche de remettre zame, mais c'est une démarche plutôt de déposer les armes. Déposer les armes, pas même bagarre avec remettre zame. Déposer les armes, c'est que nèg yo déposer les armes avec garantie que, en quelque sorte, on sait des bagages pas fait. Sinon, c'est guerre, c'est coup de zame qu'a fait, qu'a marié. Ok? Bon. Maintenant, qui ça qui posait comme problématique? Élection pour le faire. Condition sécurité, la va le baisser parce que yo va jouer un deal avec gang yo, avec chef gang yo, avec mon responsable gang yo, pour faire élection. Et après, élection. Dans l'élection, ça, États-Unis va le faire ni chef gang yo, ni l'Occident va le faire ni maître gang yo, ni mon responsable gang yo, c'est ça fait d'ailleurs une sanction. Sanction yo, son façon pour tirer les oreilles, nèg politiciens qui contrôle on sait de gang dans le pays. Ceci étant dit, gang yo, en quelque sorte, yo va aligner yo, de façon à ce que élection faite, et pour candidat, élection, pas yo a passé. Qui ça nous va le gagner? Nous va le gagner, en quelque sorte, deux scénarios. C'est soit nous jouons nos candidats pro-américains, nos candidats, c'est blanc, qui mettent, mais qui va vraiment gagner légitimité populaire, ou bien nous jouons nos candidats populistes. Le candidat qui a un discours populaire, peuple a remé, vrai Machiavel, et qui moutait dans tête d'État. Qui différence qui gagne deux nexaux? Différence qui gagne deux nexaux, jouer un système dans lequel blanc pral élu, t'as élu, c'est que s'il vient dans l'État, il va pas travailler pour peuple. Il va venir un comportement même à Matéli, il va venir un comportement même avec, et un comportement même avec René Prival. Mais ça, c'est travail blanc qui va le faire. Il va faire pour peuple, si peuple a mangé, si peuple vive, si peuple grand goût, et donc il veut fort, c'est travail blanc qui va le faire. Yo élu pour 5 ans ou 4 ans, et puis s'entendez à tout agent d'ailleurs, c'est bagaille blanc qui a réglé. Ou bien, c'est yon nèg qui populaire, qui vient en discours populiste, qui résonne dans oreille peuple là, et puis peuple a décidé, ok, nous allons voter nèg ça n'a pas la ville. Maintenant, le problème qui est, c'est que nèg ça a un discours qui dérangeant. L'arrivée au timon des affaires de l'État, il va vouloir consolider pouvoir dans le même. Il va vouloir faire réforme. Il va vouloir couper un série de contrats. Il va vouloir combattre corruption. Il va vouloir, en quelque sorte, faire un série de bagailles que le système n'a pas d'accord. Il va vouloir redéfinir le rapport et Haïti avec Occident, avec international. Maintenant, qui sont qui va réserver, monsieur? Si monsieur, il va le faire en opposition. Première fois en opposition, il va le faire en opposition institutionnelle. Il va donner opposition dans le Parlement. Il va le préparer au Parlement pour lui, comme un bulldozer qui vous capable en face. Si monsieur arrive à mater, en quelque sorte, opposition institutionnelle là, il va le déplacer opposition pour que l'opposition vienne tomber dans les médias. Maintenant, il va avoir opposition médiatique. Opposition médiatique, c'est que, ou pas des hommes et des femmes, en quelque sorte, qui parlent dans les médias, commencer à questionner démarche, monsieur, gouvernement, légitimité gouvernement, et politique gouvernement, dictat, qui va là. Après ça, on va avoir une opposition formelle. Opposition formelle, ce sont les partis politiques qui vont organiser en opposition, dans la rue, contre le pouvoir et le régime. Et là, on va avoir des hommes qui vont camper en chef opposition politique. Qu'on y a là, ça, on va le faire. On va commencer à faire manifestation, commencer à faire grève, bloquer pays, pour créer une situation de crise. Non, mais n'est-ce pas? Et n'est-ce pas l'autre choix que rétalier à travers les forces régaliennes de l'État pour maintenir l'ordre et la sécurité. Maintenant, il va commencer à accuser le dictature. Il va commencer à remettre la question. Et petit à petit, la société civile va le fouiller tête là dans l'opposition. Parce que pour qui raison? Parce que Joya va jouer l'Occident. Pour qui raison? Parce que Joya vient de faire des réformes. Et il prend pouvoir avec la légitimité populaire, discours populiste, mais l'arrivée dans la tête l'État n'a pas fait rien, il va le bataille pour l'Ouest, il a changé causé, on a l'État pour le Saint-Tribune d'Ali, et puis s'entendait à mettre opposition institutionnelle en face, opposition et politique, dans la rue, opposition et société civile pour le rejoindre, l'église, et entreprise, tout le bagage va l'entrer dans la bataille contre elle, et puis s'entendait à la tout. Tout système va lever contre monsieur pour demander des paroles. Maintenant, si monsieur insiste, dans le pouvoir, parce que pas bien contradiction interne, pas qu'à vider la tête, si monsieur insiste dans le pouvoir, alors que l'opposition est en rivière à maturité du mur, parce que pas gagné l'autre force encore pour l'opposition, il va le créer, il va le faire monsieur font erreur géopolitique et stratégique. Il va le faire monsieur tourner soit vers l'Orient, soit avec la Chine, soit avec la Russie, pour qu'il y ait un alibi pour que blanc l'Occident soit capable de fouiller pied dans la situation pour manger monsieur. Et bien c'est comme ça, il va le faire monsieur font coup de quatre, parce que la situation va dégénérer dans même, il va le battre pour le tourner vers l'international là, ce soit tourner vers Okosam. Avec coup de coble là-bas, lobby, et puis international là, on consomme à Kembe Monsieur, ok, OEA à Kembe Monsieur, ok, institution internationale à Kembe Monsieur, même les oppositions sous territoire, même les oppositions politiques, mais depuis international là, Kembe Monsieur, Washington Kembe Monsieur, OEA Kembe Monsieur, l'ONU Kembe Monsieur, Monsieur a pris. Mais, go face au cas faut faire erreur, il faut faire, il faut faire Monsieur, à l'entrée en bas votre Poutine, ou bien à l'entrée en bas votre Venezuela, ou bien à l'entrée en bas votre
et la Chine. Eh bien, dès que vous faites erreur géopolitique et stratégique, ça, automatiquement, l'Occident et toute communauté internationale là, livrez-vous. Livrez-vous dans quel sens? Ce soit coup d'État, là, on va coup d'État, il y aura des problèmes. Aristide pas mourir dans deux coups d'État, ça, yo. C'est parce que, en quelque sorte, coup d'État, Aristide, yo, c'est coup d'État entre eux. Qui, et l'Occident a bataille entre eux. C'est la France avec les États-Unis qui est entre eux. C'est-à-dire, Aristide est toujours en dedans l'Occident. Aristide pas d'aller vers la Chine, Aristide pas d'aller vers la Russie, Aristide pas d'aller vers pays, ça, yo. Aristide est toujours en Occident. C'est peut-être ça, n'est-ce pas, manger Aristide. Maintenant, là où était ou déplacé, ou aller ou quitter l'Occident, ou aller non, en Orient, ou aller Turquie, ou aller la, et la Chine, ou aller et la Russie, automatiquement ou signer ça ou aller arrêt de mort. Claire, pas de mentir de là. Parce que depuis ou fait ça, ou violer un principe qui est plus fondamental, qui est gagné dans l'existence d'intérêt américain. Et à ce titre-là, il n'y a pas qu'à bon coup d'État classique. Ok? Coup d'État classique là-bas. Bon. Faut yo tracer un exemple avant pour faut comprendre que même les ouap coup en Occident, faut rester en Occident. Même leur parler mais Occident fonctionner, faut rester en Occident. Même leur parler mais paramètres, faut rester en Occident. Pour cela, ou besoin de nèg, ou besoin de monde qui a conviction, monde qui va pas mourir, monde qui pour vraiment bataille, qui pour renverser ce système là. Ça me sort décrit à nous là, son système qui est en place, qui a 4 niveaux depuis 1806, qui a opéré en dedans pays d'Haïti. Et système ça seule façon pour qu'on travaille sérieux de faire la donne, c'est une révolution. Maintenant, pour quelle raison c'est une révolution pour nous? Qui révolution pour nous? Vous prenez une révolution, premièrement idéologique, en matière de mentalité. Il faut faire un travail d'éducation, de masse, pour que le peuple commence à comprendre qui ça, ce dont il est question. Qui est vrai ennemi? Qui est-ce qui est ennemi, peuple? Il faut que le peuple commence à conscient que, conseil de concept, il faut le redéfinir. Pour cela, il y a un travail mental qui est supposé faire. Bon, décolonisation qui est supposé faire au niveau mental. C'est une forme de révolution mentale. Deuxième bagage pour nous considérer, c'est que dans la dynamique, ça nous gagne là. Dans la dynamique, ça nous gagne là. Bataille pour révolution à coucher, ce n'est pas une bataille qui est simple, ce n'est pas une bataille qui est easy. Bon, c'est des paramètres qu'il faut maîtriser. Il faut jongler. Et c'est là tout le problème. Là. Parce que pour accoucher la révolution, ça, faut son rêveur. Parce que le système n'est déjà tombé là. Mais ce qui est important, ok, ce qui est important, c'est que pour révolution ça fait, pour réussir, faut qu'il y ait deux niveaux là-dedans. Faut le bon niveau populaire, mais faut le bon niveau stratégique. Stratégique, c'est-à-dire faut qu'on noyau dur, un comité révolutionnaire qui pourra réfléchir avec les grandes orientations stratégiques, non seulement en matière de politique extérieure, mais aussi en matière de politique interne, pour contrecarrer les contradictions internes. Il faut tout d'abord identifier les grands enjeux stratégiques au niveau interne, ça nous est les géopolitiques internes. Faire une évaluation claire de ressources que nous gagnons à disposition, nous, qui ça nous gagne, et qui ça nous a offert sous scène internationale-là. Mettez aux alentours des hommes et des femmes qui conscients de sa révolution. La révolution n'est pas seulement pour un peuple. Ok, peuple, une révolution pour pile, un pouvoir, non? Non. Faut prendre pouvoir avec peuple, là, consolider des pouvoirs, c'est deux. Parce que, le film pour pouvoir, c'est yon. Pour casser un système, pour finir un système, non. C'est deux. Parce que, tout où il y a le système, non. C'est lui-même qui marie l'État. C'est ça qui fait l'État pétion, hein. Il n'y a pas qu'à bas résultat. On y a pour changer, bouche l'État pétion, hein. Pour changer direction bateau, hein. Faut prendre contrôle tout bateau, net. Si on pas prendre contrôle tout bateau, pilotage bateau, ça. On va pas changer direction. Ok? On va pas changer direction. Parce que, soit elle changer direction bateau, ça, là. Sans que, ou pas un bon équipage, avant. Et pas qui vicieux, qui grand goût, qui est impliqué dans ces bagailles. Je parle des hommes et des femmes, en quelque sorte, qui conscient de réalité systémique pays, hein, qui ont de grands projets, de grands travaux, et de grandes orientations claires, et puis qui ont une idéologie, okay, qui bien définie, qui chita sur des concepts solides, des concepts clairs, avec des feuilles de route, pour nous connaître qui côté nous aller. C'est la seule façon pour nous accoucher un nouveau ordre social dans le pays. Ça. Okay? Maintenant, c'est vrai, il faut identifier faiblesses, il faut faire évaluation terrain. Hein. Il faut garder force et faiblesse système. Pour sous arriver au pouvoir, pour qu'on ait comment on va gérer le pouvoir sans savoir finir dans un coup d'État ou bien avec un assassinat qui tout est populiste, qui tout pas populiste. Modèle, ça m'a parlé à la, m'a parlé d'un modèle à la Poutine, m'a parlé d'un modèle à la, comment il est là, partenaire, la Turquie, modèle ça, ou bien un parti unique. Il faut capable en quelque sorte maîtriser ça où il est. Il faut capable maîtriser ça où il est.
contradiction interne yo en dedans pays d'Haïti. Sou pou ka maîtriser contradiction interne yo en dedans pays d'Haïti au niveau métaphysique. OK? Au niveau métaphysique, au niveau géopolitique et stratégique, au niveau sou pa ka fè ça. Moi bon garanti, c'est tété en fait. C'est ça que fait. Gen moun ki te pose une question sur leadership révolution. Leadership révolution, ou pa ka parler des bagages comme ça qui va. Leadership révolution, son bagage qui pour bien réfléchir, ou pa ka prendre révolution pour la gueule nan men yon sel moun. Sel moun fou qui vous a fait ça. Révolution par révolution, pas l'affaire d'un homme. L'évolution, c'est l'affaire d'un noyau dur idéologiquement consolidé avec une vision claire et avec un engagement sérieux. Ou c'est ça que j'ai toujours parlé de comité révolutionnaire. Ou pas qu'à la révolution pour la guerre nommée, il y a un seul individu. Sous la guerre révolution nommée individu, il va faire depuis que tu la révolution de mourir. Révolution, supposé l'affaire de un noyau dur qui est conscient, qui a une idéologie qui est claire, qui a une vision qui est claire, ok? Qui, des hommes qui prennent engagement, qui consentent, ok? Nous décider avec engagement ça, pour nous renverser l'ordre des choses, pour nous établir un nouvel ordre social. Ça, c'est ce qu'on appelle le leadership. Leadership, ça, c'est un leadership collectif, clair, avec des stratèges, avec des idéologues, avec des visionnaires, ok? Avec des stratèges, des idéologues, des visionnaires, des philosophes, des philosophes avérés, qui conscients, qui ont une conscience historique, qui ont une idéologie claire, ok? Qui ont une vision arrêtée de ce qu'a Haïti, si vous voulez. Et pour cela, vous devez obliger de définir un ensemble de critères qui vous permettent, en quelque sorte, ou identifier les individus qui sont capables à la hauteur pour constituer ce noyau dur. Qui c'est quoi, en quelque sorte, révolution, hein, pour faire partie là-dedans. Sinon, eh ben, caca pour le café. Sinon, il rance. Et c'est ça, je dis à la Mabdi. M'a toujours dit, vive révolution. Vive la révolution. Parce que c'est ça, notre travail sur lui. Y'en a madame Baldino, pour nous remarquer. Et moi, je dis ça, je dis à la. Il y a un monde qui voit que, une affiche, qui fait, avec moi-même, avec Guy Philippe. Moi, Guy Philippe, nous chita, nous parlons ensemble. Comme je suis parlé avec plusieurs d'autres acteurs, nous chita nous parler, ok? Nous avons défini un clair, ok? Pas grand-rien. Cependant, nous clair sur révolution. Nous clair sur vision. C'est-à-dire, nous tous les deux, nous besoin l'autre Haïti. Nous avons l'autre vision d'Haïti. Nous d'accord que le système, ça, l'effondrer. Nous d'accord que la classe politique, ça, défini. Nous d'accord, en quelque sorte, nous d'accord sur évaluation et assessment que nous fait de situation pays d'Haïti, là. Nous chita, en tant que deux hommes politiques, nous discuter de l'état des choses. Maintenant, nous parler aussi en matière de vision. En matière de vision, de qui ça, révolution. C'est vrai, on a besoin des différences. A toujours ça existé. Mais les différences, sont capables toujours et mettre ça et de côté. Mais attendez bien, ça me va dire là, je dis là. Moi-même, banan moun, qui a venu lancer, qui a venu dire à qui est-ce que nous parler. Depuis les leaders, ou pas quitter petit peuple, ou pas quitter moun influencé. Les leaders, c'est où influencer. C'est où balayer les grandes directions. C'est où définir les grandes lignes. Ou pas prendre rapportage dans mes moun. Ou pas qu'un leader, pour quitter moun à manipuler ou. Pour quitter moun à mener ou. Pour quitter moun à décider des sorties qui bon. Non. Sinon, ou pas la hauteur ou leader. Yon leader baka dans tripotaille. Yon leader baka prétendre c'est moun kap vin dil, ori, et tel, papa la. Non. Et leader, c'est ou qui kap lead. C'est ou kap baye direction. C'est ou kap baye les grandes orientations. C'est ou kap mené. C'est ou kap baye qui route qui pou fait. Pas gen moun qui pou juger. Qui est-ce ou doit parler, qui est-ce ou pas doit parler. Valeur morale. Pas gen qui a décidé de ça. Yon moun kap dit, oui, ou pas ka parler à ça. Non. Pas gen moun qui a décidé. Le leader lié à qui est-ce doit parler, à qui est-ce pas parler. Yon leader, c'est lui-même qui doit connaître. À qui est-ce doit parler, à qui est-ce pas doit parler. Peuple. Ou de falloir leader. Ou à gagner pour dire. Avec un leader qui a mené. Sinon, ou même ou t'as là, on a placé leader pour mener. Non, ou pas placer pour ça. Et deuxième bagage qui est important. Yon leader, chita yon moun, pour le parler avec elle. Ou bien, moun n'a pas de flow moral. Li doit être, yon dit tel bagage. Ok? Yon doit dire oui. On peut par exemple. Yon n'a pas de reproche qui. Yon dit Guy Philippe, oh oui, c'est droit de dire, yon condamné les États-Unis, pour ceci, c'est là. Et Trump. Et Trump, yon pas condamné Trump. Yon pas condamné Trump qui est 34, ceci, c'est là, comme yon pas condamné Trump. Pas que moun kapin fait macaque, abin joué par ici. Non! Là, on a une vision. Ça qui intéresse, est-ce que nous avons une vision? Maintenant, nous avons une vision. Nous avons discuté vision avec elle. Nous discuté qui perspective qui a gagné. Qui a allé. Nous avons une oui. Des fois, nous avons une oui. C'est drogue. C'est la menti. Parce que y a un agenda pâle. Pour occuper moun, qui a vu mais non, qui a vu une oui. Pas parler à Guy Philippe. Parce que si, debout lui dans notre tripotaille. Mais on n'a pas la mabdi. Debout lui de, ou dans notre tripotaille. Ou n'en faisait des comptes. Moun a vu d'où? Moun a vu à gauche. Moun a vu à droite. Moun a influencé ou pour leader. Yon leader, c'est où qu'a mené? C'est où qu'a évalué? C'est où qui lead là? C'est où qui lead là? Eh ben oui, oh dans le monde, oui, comment faire? Ou dans Guy Philippe, ou dans ceci, ou dans cela. Ça, ça voulait dire. Ça voulait dire, voilà.
Oh oui, c'est criminel, c'est là. Il y a des gens qui sont criminels. Il y a des gens qui sont criminels dans le monde là. Il y a des gens qui sont criminels dans le monde là. Maintenant, ce qui est important, est-ce que l'objectif, la vision, la mission, est noble? Est-ce que la cause est noble? Si la cause est noble, vous avez fait absolution. Aujourd'hui, la prof, oui. Je suis un grand leader, Abdoula. Je ne vais pas passer dans l'école Cocorate, non, même. Je fais grandes études. M'étudier ça, les fonds de mon moral du leadership. M'étudier ça, les relativisme moral. M'étudier ça, définir un caractère. Leadership adapté. M'étudier bagage. Pas de monde qui vient pour égarer en matière de leadership. Yon leader pour Chita ou parler avec, ou Kachita ou parler avec n'importe monde, non. Il suffit que vous avez vision. Ok? Il suffit que vous avez vision. Ok? Ou Abdi Mbounia, oui, yon condamné. Yon condamné le what? Si c'est problème condamnation, tu gagnes. Gagne mon journée, je dis pas chrétien. Pas yon condamné Jésus tout. Le juge Jésus, yon condamné Jésus comme malfecté. Qu'on a joué aujourd'hui à pas prier Jésus. Et on a venu à doter dans figuimoun, bêtisé dans figuimoun. C'est pas ça le problème, moi. C'est pas ça le problème, moi. Moi-même, m'gon côté m'brali. M'gon une vision. M'gon idéologie. M'gon côté m'bré rivé. M'besoin des compétences. M'besoin des hommes qui à la hauteur. Qui a un résultat. Qui a accouché. Ça m'besoin accomplir. Maintenant, en question, considération morale, considération ça. Oui, m'd'accord avec vous. Oui, bagage au gain de vous. Donc, moment pas vous. À chacun sa place, à chacun son rôle, à chacun sa position. Clair. Et vous définir paramètres qui sont besoin. Ok, bon monde qui dit, on l'est, ok, ou. Faut comprendre la dynamique là. Ou pas dans compromission avec moun. Moun pas placé pour décider de valeur morale, yon est qui condamné dans prison. Non, et bah tu vois, ça il revient à la justice pour faire travail pâle. Et là, tu vois, pam. Et là, fait qu'il y a qui a problème avec moun. Yon oblige à faire des comptes, faire tripotaille sur moi. Ou mettre tripotaille, j'en l'ai. D'ailleurs, m'a qu'à des tripotaille moun. Ma kède sa moun pense, vle pa vle révolution a fait. Et m'di sa yo di ala. M'di sa clé sou li. Et fa wèk, ouè, mwen même, m'ba bataille m'ja tout moun. M'son équipe patient. Parce que le temps, si on go bagali, m'ba bataille avec tout moun. M'ba lead m'ja tout moun. Geneg, m'choisi pas chita avec yo. C'est une question de principe. Mais geneg, m'ka chita avec yo, m're chita, m're chita avec yo encore. Maintenant, le problème qui se pose. Wèk jen nèk ki gen comportement. Wèk jen nèk ki gen comportement. Et mesdames ki gen, ki politicien. Maintenant, ou pa ka leader en révolution pour gen comportement politicien. Wèk victime. Alors, comme politiciens, c'est un camouflage lié. C'est un camouflage lié. Maintenant, ceci étant dit, si, je ne le dis pas, il y a mon cas dit oui, il y a mon cas prélève, il y a dit ça, il fait un gui, ça va prêcher un gui, moi, il y a un bagage, vous mettez gui, ceci, c'est là. On lit demi. On va influencer Mathias Mdechita. Maintenant, ça fait garder gui, si gui sont des qui influençables. Moi-même, pas influençable. Même non, vrai leader, une clé sur ça. Et moi, définis orientation. Et moi, définis vision. Et moi, définis ligne. Nous, toujours dis ça. Soit, on tombe dans tout, et moi, vide tête maintenant, toi. Pas un monde qui a poussé, ni influencé, à mettre tête dans tout. Non. Parce que je ne pas regrette deux fois. Je ne pas regrette que je me tente dans un et tombe dans tout. Non. Je vais faire un lit en pile. Moi, je lis, moi, étudie en pile, moi, apprends en pile, moi, observe en pile. Et si je gagne un monde, je besoin de guidance, je besoin de conseil, c'est celle chef, moi, c'est Jésus-Christ, je mets à genoux, je demande la direction, je ne comprends pas bagaille, je ne pas confier à l'homme, je confier à lui-même pour le révéler, pour dire, mais qui ça me voulait, mais qui soit pour faire. Mais qui direction doit prendre? C'est celle de Jésus-Christ qui me fait confiance. Pas personne, moune confiance encore. Et fait ouais moi-même, nous je dis ça, m'a pas tripoter dans même. Ou capable de me sauver. Ou capable parler sauver. Ou capable venir dire oui, pas parler à Guy, c'est drogue dealer, yo condamné, yo criminel ça et ou même. C'est pas qui gado. Ou pas décider à qui est-ce que nous parler. Son leader, il a fait une équipe même. Bah tiens, c'est vicieux. Yo grand goût. Yo même venir parler leader tripoter pour capable manger. Moi même n'est pas capable de tripoter pour manger. Ou manger selon compétence. Ou manger selon force travail. Ou manger selon soi planté. Pour récolter. Mon bagage vient demander à manger parce qu'on va battre l'idée à tripotaille, parce qu'on va battre l'idée à faire des comptes, parce qu'on va battre pour, on va venir battre l'idée à mentir, manipuler l'idée. Et grand pile l'idée qui met pays à côté de l'IA, c'est dans rien faire des comptes, dans rien flatterie. On va leader pour rien flatterie. On va leader pour rien mon abîme pour faire des comptes. On va leader pour dans langue langue. Non, moi-même, dans langue langue, moi-même. Moi, on fait des comptes, moi, on prend tripotaille, non, mais personne. Et révolution, on l'a fait. Et quand on a vu une dîme, c'est si c'est là, qu'on vient parler, qu'on vient du côté, qui ça nous pensait, de qui. On va arrêter une révolution avec qui. Révolution pays d'Haïti. Crise systémique là. On est dans le pays d'Haïti. Ou pas arrêter la Guy. Ou pas arrêter la Guy. Qui fait partie de leadership pays d'Haïti. Et pas Guy seulement qui concerné. C'est pas Guy seulement qui concerné. Pour ça qui a passé en Haïti. Ou même tout. Ou t'as supposé un acteur principal dans le mouvement, dans la révolution. Parce que c'est haïtien. Ou qui a conscience historique. Ou voulez retirer le pays ou dans sa lia. La révolution est l'affaire de tout le monde. Révolution, c'est l'organisation des forces de la nation autour d'une vision, autour de la nouvelle Haïti. C'est l'organisation, c'est structuration de force nous, de capacité nous, pour nous accoucher en nouvelle société. Maintenant, erreur qui fait, c'est que depuis qu'on dit révolution, nous réduit la individu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que moun qui comprennent bien, on va réduire révolution. Révolution, c'est bagaille au noyau. Révolution, c'est bagaille des hommes, de caractère. Moun qui comprennent que pays ça, il doit prendre leur direction. On sait n'est pas la révolution, Mati.
N'importe qui qui a un seul n'est qu'à faire révolution, il menti. Ça va pas fait dans l'histoire. Il faut des hommes. Il faut une vision. Il faut une idéologie. Une philosophie. Une nouvelle vision sur Haïti. Et vous avez des hommes qui d'accord, qui prennent engagement, ou qui ont une conscience de, qui sont conscients de réalité ça. Ok? Ou bien des stratèges, ou bien des philosophes, ou bien des intellectuels, ou bien des métaphysiciens, ou bien des hommes qui ont réfléchi sous direction, aux grandes orientations et qui décision qu'à prendre. Maintenant, si je ne dis pas, je parle de révolution, je parle de révolution, et puis qu'on a dit, je vais chita avec Guy, à maman, je ne vais pas pour Machita. À maman, je ne vais pas pour Machita. Je parle de révolution, et qu'on a pas dit, je vais chita à Guy, parce que Guy, c'est doit dire, et bien avec poil maman ou Machita. Avec poil papa ou Machita, qui chita la manger patate si, mango francis, bouilli, qui a peut-être senti, et green balap tiré dans le monde, ou a dit, qui est pour Machita. Moi, même, je suis homme de conviction. Je suis un homme de peine. À qui ne laisse, ou qui a peine, j'en veux. Ou qu'a bail tripotage sur mon jonvli, ou qu'a fait faire des comptes jonvli, ou qu'a fait complot sur mon compte jonvli, mais ça va faire un paix. Et moi garantis ça, ça va faire un paix. M'a dit nègre, mais paix dans la République. Un nègre qui a fait des comptes, pas faire un paix. En vérité, Dieu, ça va faire un paix. Moi, seul nègre, mais paix. M'appelle nous, mais le Jésus-Christ, c'est le chef, moi. C'est devant seulement plier genoux. M'a dit avec personne. Pas que pièce mortelle, sous terre, ça va faire un paix. Menti. Menti, ça va exister. M'a mouru, et m'a mouru facile. M'a mouru, il est mettre mes à faire penser que on va faire un paix, on va l'intimider, me donner des gars vinn di mori, puis go on va faire bagarre aux États-Unis, Manhattan, puis go mettre Guy Philippe la donne, puis go c'est là où the fuck are you? Pour dire me mettre Guy Philippe. Qui est sur pour dire qui est pour mettre? Sur qui base pour décider qui est pour mettre? Moi même là, ça fait ouais toujours dit ça bossal pas trahi. Nous même nous pas traite, on est boulé. Nous pas traite. Si nous oui, nous oui. Si nous non tout, mais nous non. Zamim, ou si nous oui, moi avant. De moi nous oui, de bossal qui dit oui, nous avant. Mais sous what dit, sous nous non. Jean-Mim, ou met ta bien roulé, ou met ta bien passé, ou met tes présidents, ou met tes premiers ministres, ou met tes chefs, ça c'est dans le qui dans coco, ça va garder. Ndou non, ndou non. Mba avant, mba avant. Mba dans ce collé avant, mba dans ce collé avant. Ça fait grand pile moun qui dit qu'on a joué, dit oui, pour que raison pas dans Claude, pour que raison Claude, c'est là, ah non, de vos fuck, l'emba ouvre, on est mba, c'est le principe. Le principe, pam. Ou que doit ou même ou exit pour aller manger grain maïmoule, ou aller manger grain blé, ou aller manger pitimi, ou aller manger c'est là, ou aller des petits jobs, ils ont tout. Mais moi même, moi, je principe, moi, dis non, balade, balade. Ok, le principe, pam. Ou qui problème après si, mais ça c'est vous-même. Ça c'est vous-même. Moi-même, moi d'où? Si je tombe, on est principe, sous base principe, je tombe. N'importe l'autre attendez de la voisine, vous connaissez sous base principe, pas les mouilles. Et la voisine, pourquoi? Je vais mourir facile comme ça. Parce que je suis prêt pour une bataille. Et faut révolution faite, comme moi, je vais mourir. Et puis, il y a une révolution pour vous faire, et vous allez mourir. Et qu'on y a mal dans la bataille. Et on a fait un complot bullshit. Manique la guerre poste là. Ok, Guy Philippe, c'est si c'est là. Moi, on est agité, tripotaille, complot, à gauche, à droite, fait caca. Caca fait. Qu'est-ce qu'a fait? A bâti potaille, relé à gauche, fait complot, c'est si c'est la fait coute langue bullshit. Dis bon parole, il dit la plat. Si dit là, good. Il décide pas là tout, c'est choix pâle. Moi-même, l'aime dit oui, m'di oui. L'aime dit non, fucking dit non. Et qu'a t'aime, pendant que l'idée. M'a pas fait, j'ai des comptes, ni du potaille, non, mes personnes. A dit mon gars, il branle. A dit mon gars, fait un paix. Et bataille, on fait commencer. V'lez pas vrai révolution à pied. Ok? Je suis esclave de Dieu, de Jésus-Christ. Je suis esclave de ma conscience. Et je suis esclave de la révolution, de la cause haïtienne. Je ne suis pas esclave de pièce individu. Je ne suis pas esclave de vagabond. Je ne suis pas esclave de personne. Je suis esclave de garde, Jésus-Christ chef. Je suis esclave de conscience. Moi. Et je suis esclave de cause haïtienne dans la révolution. Je suis dans un bagage comme ça. Alors, quel est là? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Révolution m'a pas avancé. Révolution m'a avancé. Parce que, n'est-ce pas? Il est dangereux. Révolution m'a avancé. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'a pas avancé. Il n'a pas couché. Parce que si n'est-ce pas fait politique en Haïti, il est vicieux trop. Il est sans caractère trop. Yo chie trop, yo grand goût trop. OK? Yo chie trop, yo grand goût trop. Marché qui t'a bay coute langue, plusieurs moun relé m'a dit oui. Plusieurs moun relé m'a dit oui, gagne qui t'a bay coute langue, gagne qui t'a fait faire des comptes ou caisse. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Ou m'sé ou nom de nom. Ou m'sé ou nom de nom, révolution lié tonton. Pas gen moun qui t'a fait me faire back. Même pas rien là sous ça. Pas gen pièce motherfucker qui t'a fait me faire back. Révolution, vle pas vle, révolution. Complot pas complot, révolution lié complot. Bo sale pas trahi, bo sale pas faire lâche, bo sale pas faire back. Mais après, dis-le encore, révolution liée. Bon sale pas trahi, bon sale pas fait lâche, bon sale pas fait bac, bon sale pas soumis. Nous assoumis nous-mêmes. Et bon sale nous. Nous avons une idéologie qui est claire. Jésus c'est le chef, bon sale. Nous avons l'autre chef qui est Jésus-Christ. Nous collaborons avec nous, mais nous avons un chef. Chef nous est Jésus-Christ. Chef bon sale est Jésus-Christ. Nous ne collaborons pour une cause. Mais nous avons un chef nous-mêmes. Nous n'avons personne sur la terre. Nous avons une pièce nègre qui cache pour nous. Bon sale pas un chef. Nous chef. Jésus-Christ chef nous chef conscience nous chef tête nous. Nous avons une révolution. Vle pas vle. Révolution point boule avec ou sans révolution. Mais nous en pile, qu'est-ce que là en pile love, c'est ton plaisir de avec nous. Parce que passez bon après-midi, beau salon froid, beau salon tout le temps, campé gouménier, nous pas paix, complot pas complot, révolution, la bataille, pas oublier. Nous avons des voies et 18 août liés. Nous seul côté dans Kemanaton. Dans Kemanaton.
515 Madison Avenue, 10e floor, gratis. Vous savez, bagaille, allez pour aller enregistrer pour venir participer. Et puis, red, quand vous m'aimez, pas de faire back, pas de garder ni à gauche ni à droite. Ok, révolution liée, tonton. Bataille à bataille.